des épées, une lance, une masse. Je vous... Je pense que j'ai certaines avancées technologiques que je devrais vous proposer. Ouais. Quelques modes, tout ça, tout ça. Bref, salut tout le monde, je suis Nala, salut Lily. Et aujourd'hui, on se retrouve dans Skyrim, Rise of the Skyrim, pour un... je sais plus combien épisode. Ouh, il y a un truc qui brille là. Il y a un livre. Jeunes gens. Oh, ta gueule. Enseignement de la grande chasseresse des rescapés. On commence comme ça, du texte, de l'histoire, des récits, d'antan. Jeunes gens, vous avez rechigné à apprendre vos lettres, proclamant qu'elles ne servaient à rien pour chasser. Eh bien, voici votre première leçon. Tout est lié et j'ai toujours raison. Pour ceux d'entre vous qui ont été assez fous pour persévérer et qui peuvent lire ceci, voici votre premier devoir. Traquer, chasser et me ramener la fourrure d'un des petits animaux de la vallée. Vous trouverez des lièvres partout, de nuit comme de jour. Les petits brins dans notre vallée et les lièvres des neiges sur les hauteurs. Les écureuils restent dans les arbres et se réfugient dans leur terrier quand il pleut. Si vous préférez traquer des rats, regardez dans les ruines ou tout autre endroit où la mort rôde encore. Mais si vous pouvez éviter de me ramener un rat, je préférerais ça. Mais si vous pouvez éviter de me ramener un rat. Connaissant. Ouh. Ah, il y avait un lapin, je n'avais pas capté. Ah, et ça me fait du cuir. Moi j'ai vu un fil à couper, je me suis dit, on le coupe. Ok. Bah voilà, il a été coupé. J'ai absolument aucune idée de vers où je me dirige. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ouh, ça je prends. Ouh, j'ai gagné un point de compétence en récupérant ça. Parfait, aujourd'hui ce sera un petit épisode chill, peinard et... Il me faudrait une bombe. Il me faudrait une bombe. Il fallait tirer avec une flèche. Parfait. On sera dans un petit épisode tranquille. Je dis ça, mais on va se prendre une chier d'Illuminati sur la gueule. Vous allez voir, c'est toujours comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, donc, récolte d'items pour améliorer la ville dans Skyrim. Avec des mouvements improbables de la part de notre Lara nationale. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Yeah. Oh, un bouquin, plus de lecture. Voici. Oh, oui. Les chasseurs de la vallée font preuve de plus de sagesse. Maintenant, ils chassent des oiseaux. Voici l'exercice du jour. Ramenez-moi une créature à plumes. La plupart des oiseaux de notre vallée volent le jour et se réfugient dans leur nid la nuit. Vous avez dû voir des mouettes et d'autres oiseaux plus loin. Ces oiseaux communs suffiront pour la leçon d'aujourd'hui, mais vous pouvez faire mieux. Pour ceux plus ambitieux qui souhaiteraient m'impressionner, dirigez-vous sur les hauteurs entre le coucher et le lever du soleil. Une buse serait très bien vue. Entre le coucher et le lever du soleil. Une buse serait très bien vue. Ok, je pense comprendre le sens, mais c'est très bizarre. La façon dont c'est écrit. Et avant que vous ne posiez la question, les poules de notre village sont arrivées ici avec nos ancêtres. La leçon ne sera pas validée si vous me ramenez un oiseau apprivoisé du jardin de vos parents. Pas logique.
Il y a un gros machin là. Blep. Oh, wait. Hop, on perd de vue de Lara. Voilà, c'est bon. On retrouve Lara. Oui. Ah, merci. Je me demandais quand est-ce que ça reprendrait sa place. Ok, je suis là. Mais et de là, où est-ce que je puis... Moi, toi ! C'est pas une cible ? Non, cible. Mais tu sais, c'est pas une cible. Ça me paraît loin, hein. Pourquoi les rouges, si les plateformes, elles brillent ? Géronimo! Je peux grimper dessus, ça c'est un... Je vois rien de où je vise. Il voudra pas plus, donc ouais. On peut... Ah, les fidèles du prophète sont partis vers l'est. Le périple a été pénible. Okay. Bon. Je sais qu'il y a une crypte quelque part, mais... Cet endroit n'est pas rassurant, je dois dire. Avec les cloches et tout. J'aime beaucoup, hein. Et c'est pas rassurant. Je parie que c'est par là qu'il y a un tombeau, hein. On a dit-il, hein. On a dit-il, on perd déjà de... Oh, bordel de merde! Oh, j'ai raté ça. Un ours! Chill! Ours! Direct! Cash! Pas de repos! Pas d'épisode de chill ici! Non, on veut de la violence! Du sang! Des boyaux! De la bestialité! Comme vous en avez jamais vu. J'étais pas prête. Aïe. Ça, je récolte. J'en ai des champignons, j'en ai besoin. J'en ai gaspillé un petit peu. Qu'est-ce que... Donc. Ah, qu'est-ce que c'est solide! Le premier coup de piolet, il me fait toujours marrer tellement il est... Mais... Ah. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de se baigner dans cette eau pleine de... Je crois que c'est le souffle qui peut donner une couleur aussi rouge à l'eau. À vérifier. Prenez pas tout ce que j'y... Pied de la laine. Ah! Ah! Il faut savoir. Juste avant cet épisode... J'ai tourné du Jedi Survivor. Et là on me dit il me faut un respirateur qui sort tout droit de Star Wars. La coïncidence est trop grande. Il y a trop de similitudes dans ces séries.
là, il y a En plongeant, sauter des plateformes en suivant le temps, il y a plus rapidement sur le pied quand vous êtes en l'air pour plonger. Oh! Oh, ça m'intéresse! Il faut que j'essaye. C'est des trucs de fou aujourd'hui. Mais la question, c'est comment je les atteins? Comment je suis censé atteindre ces hauteurs? Faut que je fasse tout le tour peut-être? Yep! Si ça casse, toi, Lucas. Ça vagabonde. Ça gambade. Le plongeon d'ici me semble un petit peu dangereux. Et là on peut pas, ok. Hop. On descend d'un étage, voilà. On descend ici. Sympathique. C'est ce que j'avais en tête, mais ça reste sympathique. Est-ce que je peux sortir de l'eau, s'il te plaît? Voilà. Bon. Objectif, récupérer des trucs. Enfin, ça fait 10 minutes d'épisode déjà qu'on aurait dû commencer tout ça. Qu'est-ce que... Je suis à peu près sûr que c'est pas ça, comme ça qu'il faut s'en servir. Mais je ne vois rien d'autre. C'est pas grave, on va le laisser là, ce machin. S'en servira peut-être plus tard. Wait, mais je suis toujours pas sorti du village, en fait. Oh, je vous jure. Ah, tiens. Je vois. Oups, c'est pas ce que j'avais en tête. Je prends. J'aime plier les affaires des autres. Qu'est-ce que... Bon, bah, c'est pas pour... Et là-bas, il y a moyen de remonter. Non, mais non. Non mais là. J'avais oublié que Clara était pas dégourdie. Je suis navré que Sophia vous ait fait mauvais accueil. Je comprends. Contente que vous ayez été là pour vous porter garant. Mon peuple a passé des décennies à repousser des étrangers. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Voyez si vous pouvez participer aux préparatifs. Votre aide pourrait jeter les bases d'une relation de confiance. Je vais voir ce que je peux faire.
D'accord. D'accord. Cela dit, j'aimerais quand même poser ma tyrolienne. Sans qu'on me le... Sans que le jeu me l'offre dans la mort. Mais... Espèce de cruche. Voilà, merci. On y arrive. Lapin. Qu'est-ce qu'il faut que je récupère déjà? Deux secondes. Je sais même plus ce qu'il faut que je récupère. Explorer la vallée. Oui. Pourquoi ça clignote? Pourquoi ça clignote? Parce que je peux pas y accéder, hein. Entrée de la crypte. J'étais passé à côté. Je suis passé à tes côtés de tellement de choses. Tâche de survie. Coffre fort. Tant de choses. Très mauvais plan. Très mauvais plan, ça. Non, restons concentrés. On veut... Je sais plus ce qu'on veut. C'est horrible, je sais même plus ce qu'on veut. Je crois qu'il me faut du matos. Mais j'ai aucune idée de ce qu'il me faut en matos. Vous êtes sûr que c'est pas une mission secondaire? Pardon. Mission. Je... Rassembler des provisions. Oui. Quoi comme provisions? Défi dans le mille, cervelle d'oiseau, coup de lapin, grand plongeon. Lancer de gourde. Mais le grand plongeon, j'ai pas réussi. J'ai vu un truc clignoter là. T'es là! T'es là! Tu n'allais pas échapper à mon regard aguerri. Qu'est-ce que... D'accord, je dois déjà avoir tout ce qu'il faut. Je sais pas comment, mais je dois déjà avoir tout. Les trinitaires ne vont pas tarder. Il y a de la viande. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Au secours, j'ai des pulsions. D'accord. J'avais vu un gros symbole, je me demandais ce que c'est, mais c'est rien de bien... Non, je peux pas récupérer le lapin tel quel. Je... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je... Ouais, ouais, le problème. Là, il y a une grotte.
du danger. Je suis en train de lui tirer avec des balles creuses. Meurs, meurs, meurs. J'étais en train de lui farcir le crâne de tête à balles creuses. Il m'a fait peur. J'aurais cru qu'il fallait moins de balles que ça pour tuer un ours. Surtout des balles à tête creuse. À part si tu me dis que sa peau est suffisamment épaisse pour résister aux balles à tête creuse. Ce qui me paraît quand même assez absurde. Mais pourquoi dans ce jeu tous les ours que je croise ils bouffent de la viande, des biches? C'est censé être fruitivore, je crois, un ours. C'est pas censé être carnivore. Enfin, je ne me trompe pas. À vérifier. C'est peut-être omnivore, mais j'ai plutôt tendance. Il me semble que c'est fruitivore. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis. Vous avez le matériel qu'il nous faut. Attendez, je vois. Je vois qu'il y a un défi ici. Oh, un lapin qui tombe. Ouais, tenez. Il doit y avoir tout ce que vous avez demandé. Bien, bien. Putain, comment il me regarde de haut, lui. On pourra finir les réponses. Vas-y, qu'est-ce que t'as? Et si vous pouviez descendre le reste en bas de la tour au bord du lac? Quand vous aurez terminé, venez me retrouver ici. Excusez-moi, j'ai tellement pas écouté ce que tu m'as dit. Faut que je fasse encore quelque chose? D'accord, c'est dans la vallée, d'accord. C'est tellement focalisé sur mes conneries que bref. Ça me paraît pas assez profond pour faire un bouton. C'est par où? On va partir du principe que c'est par là. Par contre, pourquoi tout est mort dans le coin? Ouais, ouais, je sais, il y a plein de défis de tombeau. C'est là-haut, forcément. Nya. On va récupérer ça. Ça, je sais que c'est ici. Lapin. Je te vois. Je me disais bien que j'avais vu une biche. Bon, il s'est barré. Tant pis. Oh, il y a quoi là-haut? Oui, j'ai vu un truc briller. Ouh. Oh. Vous avez fait d'énormes... Ils se nourrissent principalement de la chair des cerfs de la vallée. Vous avez fait d'énormes progrès, mes élèves. Je commence presque à croire que certains d'entre vous seront un jour de bons chasseurs. Mais il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Aujourd'hui, tant qu'il fera jour, nous chasserons le cerf. Sa viande, sa peau, ses bois et même ses os nous font vivre. Respectez le cerf, car c'est une créature de Dieu au même titre que nous. Vous le trouverez près de sa litière, là où l'herbe est aplatie, ou près des buissons de baies dont il se nourrit. Frappez sans hésiter pour qu'il n'éprouve ni peur ni douleur. Et n'oubliez pas, je vais vous évaluer. Alors ceux qui m'apporteront un cerf plutôt qu'une biche seront forcément mieux notés. Une biche n'est pas un cerf.
Putain, elle me donne envie de... de chasser cette cruche avec toutes ces... toutes ces trucs d'évaluation. C'est une biche. C'est pas grave. Moi, je prends son cuir. Le reste, j'en ai rien à foutre. J'avais pas perçu. D'accord, ça s'est barré. Ah, ça a l'air d'être des biches. Ah, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Ah! Tant de choses! Ce que je redoutais. Ah, les habitants de cette vallée ont vécu dans l'attente pendant des décennies, sachant que quelque chose allait se produire. Ce que je redoutais est arrivé. Nous ne pouvons plus le nier. L'hélicoptère que nous avons vu hier au coucher du soleil représente une nouvelle incursion dans nos terres. Nous avons grandi dans l'ombre de la lutte de nos parents. Et maintenant, il semble que nous allons vivre la nôtre. Dans l'ombre de la lutte de... D'accord, oui. Mais le devoir sacré doit être rempli. Nous devons protéger la source de la grâce de Dieu sur terre. Ceci n'est pas de la préservation de viande. Ceci est de la maltraitance envers les cadavres. Vous avez ces boyaux qui sont littéralement à l'air libre. Vous là-bas. Oui. Vous pouvez peut-être nous aider avec ces machines. Ouais, il y a un drone. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ces envahisseurs ont trouvé un nouveau jouet pour nous menacer. Des petits hélicoptères automatisés. Ça s'appelle les... Ils appellent ça des drones. Ces engins ne ripostent pas, mais ils semblent être équipés de caméras. S'ils cartographient la vallée, on va perdre l'avantage. J'ai réussi à en abattre quelques-uns, mais avec ces armes, j'imagine que vous irez plus vite. Vous voulez bien aider? Oui, 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 bien, oui, je crois bien. Que je peux en abattre quelques-uns. Le maximum sera le mieux. Revenez me voir quand vous les aurez neutralisés. Mais vous vous foutez de ma gueule! Good name. Je... ne m'attendais pas à ça. Bonjour, faites pas grave, faites comme si je n'étais point là. Voilà, et elle est où votre tour? C'est pas l'objectif que je cherche. C'est pas grave, il y a une cage de survie non loin. Chaton! Couché! Ce chaton, ce méchant chaton. Grimpe sur ce tronc. Mais garde. Ah. Mais ils sont plusieurs. Wow, c'est pour des... Pour des gros chats, ils sont pas dangereux. Je dois admettre que je m'attendais à plus de dangerosité de leur part. Contente de voir que je m'étais trompé. Cela dit, moi, ce que je voulais à la base, c'est ça. S'il vous plaît. Un tas de deux pièces! Ou trois! Sept! Ouh, c'est que ça commence à devenir profond. Par contre, oui, je voulais aussi aller monter là, sur ce tronc. Sauf que Lara ne voulait pas. Qu'est-ce que. Quoi? Comment ça?
Vuek. Ah là, je vois le voilà. Maintenant, il faut falloir le retrouver. Eh bien, c'est faisable, c'est faisable. Ce qui va me permettre de dégommer des hélicoptères au passage. C'est pas là. Des hélicoptères. Oh, des drones. C'est quoi ces trucs? C'est censé être des tombes. C'est beaucoup trop régulier. Bref. J'aime voir les oiseaux qui n'ont pas peur. C'est des balises. Oh, pardon. Ça fume. Et l'autre doit pas être bien loin. Je te vois. Merde. D'abord, retournez à la première tour. Voilà. Et on pourra s'arrêter après, je pense. Il n'y en a pas assez. Il faut qu'on fasse 100. Il doit bien y en avoir d'autres. Envoie quelqu'un vérifier. Et j'envoie qui, au juste? Moi? Tout le monde est en route vers le bas village pour se préparer. Mais, connard! Écoute, connard, il va falloir improviser tourne pour le tête à droite! J'ai déposé le matériel près de l'autre tour. On dirait que celle-ci est terminée. Exactement. C'est grâce à vous. Ça nous donnera l'avantage sur les envahisseurs. Tout est bon à prendre. Vous devriez monter en haut de la tour. Vous aurez une meilleure vue sur notre vallée. D'accord. Boum. Il est pareil. Ok, je... Salutations. Qu'est-ce que... Bonjour. J'espère que vous savez vous servir de cet art. C'est pas atteignable, ça. À quoi sert ce cordage? À rien. Non, descends. C'était peut-être un peu gros. Mouche! Ouais. Bref, il nous reste à aller retourner. Aller voir l'autre des premiers, pas après. Qui m'ont demandé de dégommer les drones, ce qui est chose faite, mais on continuera la suite de nos aventures dans le prochain épisode. On va s'arrêter ici. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous souhaite à tous une agréable journée. Ah. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.